docteur Bemba du service de pédiatrie. Il était minuit, bon, 23h52 presque, lorsque nous avons reçu ces enfants qui nous ont été apportés dans cet état-là. Ils étaient déjà apportés morts et nous ne savions quoi faire. Je suis ici, c'est parce qu'il y a eu mordon. La pluie d'hier a causé des dégâts. A causé des dégâts énormes dans une famille de 3 personnes qui sont décédées. Il y a 3 personnes qui sont décédées, tous des enfants. La première a 13 ans et les autres 8 et 6, tout ça. Alors, nous sommes là pour évacuer les corps selon les instructions de la hiérarchie. Nous allons amener les corps à la morgue au niveau de la commune de Campemba. Et l'enterrement va suivre après, selon qu'on va poser avec la famille. Sinon, c'est dommage, il y a un mur qui s'est écroulé sur une petite maisonnette. Et là-dedans, il y avait des enfants qui dormaient. Et du coup, les enfants sont partis avec ces coups-là. Le mur qui est tombé sur eux et les enfants sont partis. Et nous sommes venus faire le constat et nous avons constaté qu'effectivement, les enfants sont partis. Merci.